Yeah. Y'en a qui lisent des livres, moi je rédige des lignes pour trouver le sommeil la nuit. Sur quoi je m'appuie, en cas d'orage, je n'ai rien pour me protéger de la pluie. Parfois je dis, je dérive, j'ai vraiment besoin d'aide pour diriger ma vie. On m'a dit de marcher droit mais j'ai déjà du mal à me tenir assis. Pourquoi dois-je me conduire ainsi? Les choses ne bougeront pas d'un cil, paraît-il. Si je n'applique pas dans ma vie ce que j'ai dit, on m'instruit. Plus d'un arbre veut pourrir, plus d'un fruit, mais rien n'est gratuit. Et le jour de la récolte, le boss des boss sera juste et sans pitié quand il faudra faire le tri. Les bonnes paroles ne fédèrent pas avec le démon, notre acte ne fédère pas dès le départ dans le tiers. Car les dés sont pipés, ce n'est qu'après que l'on répare les conséquences du destin. J'allume un cierge pour tous ces avenirs que l'on efface à chacun ses dessins. Je m'étonnerai toujours de voir à quel point les conclusions sont éparses, nos esprits sont éparpillés. Je navigue dans un monde où je n'ai pas pied, limité par la mentalité du quartier. Je dois m'extérioriser, donc je gratte le papier. Le temps s'écoule sans arrêt d'après mon sablier. Devant Dieu, je m'agenouillerai, je ne me ferai pas prier. Mon objectif était de voir vos yeux s'écarquiller. Nique sa mère, tout ça c'est pas bien. Y'en a qui lisent des livres, moi je rédige des lignes pour trouver le sommeil la nuit. Rédiger la suite, j'aimerais pouvoir le faire avec autre chose que du charbon ou de la suie. Y'a de la rouille sur mon cœur de métal, désolé si le tien je les péta. Quand on m'aimait autant, je sais pas, si j'étais une femme, je serais sûrement une pétasse. J'ai fait poser un anneau doré sur mon oreille gauche pour souligner mon déséquilibre mental. Perdu dans les ténèbres d'une âme trouble, éduqué dans un foyer aux fondations bancales. La noche au mic, c'est un cerveau, une patte, un stylo. Le genre de mec aurait pu percer en ayant fait une fac de philo. Côtoyer les tours ne nous donne pas de la hauteur. On voit tous les mêmes choses tous les jours, à tel point que Jojo pourrait être mon auteur. La largue comme tuteur, l'amertume a anesthésié nos cœurs. Le monde extérieur ne fait qu'alimenter nos peurs. On connaît les mêmes goûts, les mêmes goûts, les mêmes odeurs. En plus j'ai vu qu'ici réussir ça ne passe pas. Donc j'ai fait mes valises et j'ai même le passeport. J'entends les villes, maman ici il n'y a pas d'espoir. Si tu n'es pas artiste ou si tu ne fais pas de sport. À ce propos, je dédicace au poteau en espérant vous transmettre la force par mes coupets. On gagne l'auto, on commence pour l'auto. L'essentiel est de partir sans avoir les couilles. Donc je dédie celle-ci aux habituels. Pas besoin de les citer, ils se reconnaîtront. Moi je vous aime tous autant que vous êtes, en sachant que ça ne suffira pas à votre bonheur. Car je sais que la misère de ce monde n'est rien face à celle de nos cœurs.